Chrome car whole life TG 500 fin 145 pièces 3 étoiles en difficulté sur 5 déballage. Emballage en carton. Carton fine. Ah oh, il y a de la colle. Première mondiale. De la colle dans un modèle en bois. Colle plus papier vert, une pièce. Deux pièces? Ah non, c'est des plastiques transparents. D'accord. Donc, il y en a deux plastiques transparents. Notice. Il y a des pièces qui partent. Donc, je vais montrer. Vite fait. Papier vert, très petit. 400 cm de côté. Voilà. De plastique, donc ce qui explique la colle. C'est pour coller les fenêtres en verre. Donc, dans la réalité, c'est en plastique. Voilà. Notice une seule feuille. Tout fine, j'ai le senti une seule feuille A3. Format A3, recto verso, en chinois et pas d'anglais. Pas d'anglais. Que du chinois. Un carton de protection. Avec c'est à l'envers. Donc je vais remettre le carton et je vais tourner. Voilà. Avec la texture par laser. Donc lui c'est sur mon. Comme ça ou c'est plutôt comme ça d'après la texture du bois et lui texture laser c'est comme ça lui comme ça dont la gravure qualité un peu dégueu. La gravure laisse des traces de brûlure assez évident. Hein? Il y a des débordements, des brûlures par rapport au Titanic Cruise Ship qui est magnifique au niveau laser. Celui-là, c'est un peu brûlure partout. La planche de bois d'ailleurs est moins bon d'après ce que j'ai vu, alors que c'est du roll-off, c'est ça, c'est du roll-off apparemment et la qualité est moins bonne. Donc il y a des pièces qui partent dans tous les sens.
pour ça. Deuxième plateau en couleur avec des pièces qui partent. Ce qui est bien, c'est qu'on ne déchire pas. Donc couleur argentée, couleur brune, coloré donc, couleur jaune orangé plutôt. Donc troisième planche avec des pièces qui partent dans tous les sens toujours. Troisième, quatrième et cinquième. Très très fine, très fine et demi planche par rapport aux autres. C'est la plus fine. Donc c'est une déception du coup pour ce paquet de tram au niveau gravure de texture qui est assez dégueu en fait, mais ça va encore. La qualité est une bonne moyenne. Je trouve qu'il est en dessous du Titanic. La qualité. Par contre, il est en couleur. C'est comme ça. Comment il peut être comme ça? Ouais, d'accord, comme ça. Donc couleur argent pour lui. Et il y a une règle pour mesurer. Mesurer quoi? Je sais pas trop, on va voir dans la notice qu'est-ce qu'il veut mesurer. Voilà. Donc papier vert, de plastique pour le pour la vitre. Je vais mettre entre les deux planches. Et on va voir la notice. Donc c'est la version par le numéro TG 505, 145 pièces, tout en chinois. Donc ça veut dire il y a gravure laser. La petite fleur représente la gravure de laser, texture, donc texturée. C'est une, ici. Les mesures. Je cherche les mesures. Pourquoi il a rajouté une règle de mesure? Ah, voilà. C'est pour couper le plastique. Voilà. La règle qui est ici. La règle graduelle permet de mesurer la. Oh, c'est la même longueur que la règle. Donc permet de mesurer pour découper le plastique et de coller avec la colle 6 joints au tram pour faire les fenêtres du tram. Donc ici ça veut dire le dos de la gravure. Ici c'est là où il y a la gravure du texture. Donc deux morceaux P2 coupés deux fois. Donc deux fois coupé de bandes. Et après, il reste encore la deuxième. Ici, il y en a pas. Coller les roues. Il faut coller au lieu de du coup 4 roues à coller ensemble.
Apparemment, ils ont besoin de beaucoup de colle, ce modèle-là. Il a donné deux feuilles de plastique transparent, mais apparemment, on a besoin de juste un seul. Ah non, plus. Il y a deux côtés, plus devant, derrière. Donc il y a juste assez. Il n'y a pas une de plus. C'est juste assez. Donc voilà. Pour le déballage du paquet. Ça m'a surpris qu'il y a la colle parce que normalement, ils retirent toujours la colle ou la pile dans un kit d'un modèle complet. Donc ça m'a un peu surpris. Surtout ce modèle-là utilise énormément de colle pour recoller les morceaux. C'est imprévisible en fait. Voilà. Donc, on remet en place ça, tout ça dans la notice. Thank you.